Amis téléspectateurs, Radio Télé Guinée, encore une fois, nous saluons. Nous sommes contents encore de retrouver nous, jeune Tédilla ou jeune Sodilla. Nous sommes actuellement en direct sous Chaud Masse, côté que Carnaval National prend le déroulé. Jeudi, c'est premier jour Carnaval qui prend la fête. Jeudi, c'est 11 février 2018. Nous sommes certains que, ou même un peu partout, côté branché, soit sur net, là, soit sur radio, soit sur télé, on va regarder, nous avons du bien. Et nous va permettre de suivre en duplex tout ça qui prend le fait pour festivité ça. Édition 2018 là, Haïti sous changement, c'est thème carnaval 2018 là. Nous sommes certains que vous-même, vous pourrez vraiment connaître tout ça qui prend le fait à travers Radio Télé Guinée, Radio Pays, nos équipes culturelles qui mobilisent pour capable permettre de suivre tout ça qui prend le fait là. J'aime ce dire là, bien ciné, Kens Kila, Jensen, Vanessa Kader, et puis il y a Ismaël qui l'a ensemble avec nous pour permettre que nous suivions tout ça qui prend fête. Ça m'a fait constater, les amis téléspectateurs, les amis téléspectatrices, côté Radio Télé Guinée, même situé là, Sting, Radio Télé Guinée, il y a plusieurs moteurs, plusieurs machines qui ont circulé, plusieurs mondes qui ont passé. Donc, ça va nous créer un petit problème. L'un des petits problèmes, machine, c'est vrai que côté nous situer, nous là, c'est côté nous capable de dire ces zones de secours, ok? Mais on a dit que machine, pour qui ça que, dans le moment ça, puisque depuis 3 heures, le carnaval là, t'es doué commencer, et ça qui vient de bailler problème, non, c'est que le défilé artistique là, commence, c'est qu'on y a pas de parler avec Wala, eh bien,
moun yo presque empêché, eh ben nous capable dire défiler en fête et gagner plusieurs machines qui passent. Actuellement là, vinn gagner une petite pause, nous capable dire une petite pause tout petit. Nous souhaitons que pause ça elle dure parce que faut moun yo garder défiler. Gagner eh ben monsieur marié qui est passé avec madame marié premier parti, eh ben une petite partie dans défilé qui commencé. Actuellement là, n'a pas assisté avec yon l'autre partie dans défilé les téléspectateurs. Nous sommes certains que pour le premier jour ça, li capable réussir, nous capable permettre de suivre et nous même tout capable ouais action, attendre tout ça qui bon, tout ça qui pas bon, tout ça qui mérite modifier, tout ça qui mérite retirer, et bien pour deuxième jour capable réussir. Et rapidement on dit que pour premier journée nous commencer en retard, il y a quelques petits problèmes, mais on a demandé que pour toute logistique la mettez en place parce que nous travaillons dans nous jeudi là, nous même que journalistes n'a pas vraiment fait des commentaires, n'a présenté en bas journée ça, nous qui travaillons dans menu parce que c'est eux même qui peut pas nous travailler pour nous faire. C'est pas nous même qui pas chercher en bas défilé mais c'est eux même qui peut permettre que défilé avancer. Normal je pour avancer à ou comprendre partie par partie ou bien non monde qui peut passer en vent faut qu'il passe normalement. Donc nous espérons que toute bagaille a passé normal parce que je dis là Haïti sous changement, c'est un coup d'essai pour jeudi. Nous sommes certains que vous pourrez suivre, les amis téléspectateurs, en direct sur télévision Paola, tout ça qui pourra le faire pour jeudi, qui c'est Carnaval National, là, Haïti sous changement. Jeudi, c'est 11 février 2018. Fortuné ensemble avec nous là, qui est fortuné, ou capable qui j'en, ça n'a pas là, devant yeux nous là, qui j'en et ambiance. Nous gagnons Ismaël qui est ensemble avec nous, nous gagnons Jameson Lemorin, nous gagnons Lovely Alcine qui est là, nous gagnons Vanessa Cadet. Une équipe qui est très motivée, qui est très mobilisée pour capable permettre tout de suite tout ça qui prend le fait jeudi sous Chaudemasse. On nous salue tour à tour, monsieur Damio, mais d'abord on a commencé avec Lovely rapidement. Et bien nous impressionnons un petit coup de temps pour nous capable permettre que chaque présentateur qui est là salue le public là. Bonsoir Emmanuela, bonsoir Kens, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices Radio Guinée. Pour jeudi, première journée carnaval national qui vient pour terminer Haïti sous changement Emmanuela, il commence, bon, d'ailleurs, c'est supposé commencer à 3h, mais l'heure, bon, il est à 4h30, c'est le ça pour au défilé à venir. Et le défilé a commencé. Bah, il y a prestation sous Chaudemasse, ou fin ou que, gagne un problème, t'as comme circulation, machine à monter, moto, moun pas qu'à faire vivre des filets. Au même temps, mais que pour logistique là, changer, pour qu'à présent dans le moment ça, surtout des filets, c'est dans le moment des filets, que ou qu'à transmettre tout ça gagne pour vendre. Si ou des filets à passer, nous, au moins rester en façon à l'école. Il n'y a pas besoin de bon pour tout le monde qui vivre ça qui gagne en Haïti pour culture nous ou bien pour nous vivre avec le pays. Ça m'a souhaité, Bon, je commence 3h30, ça va, mais nous avons remis que logistique est plus présent, surtout dans le défilé. Et puis, pour le monde qui marche en pile, la moto qui monte des seniors, au moins pour la police font un petit pour défiler le carnaval là, qui continue. Eh bien, Lovely Alcine, j'en dis là, et nous pensons que logistique là fait un travail, et l'Ipral fait un travail qui est impeccable. Nous souhaitons que tout le bagage passe en forme, et puis nous te disons saluer mesdames, nous faisons saluer Vanessa Cadet, pour nous capables saluer Ismaël Chester Antoine. Bonsoir Vanessa Cadet. Bonsoir Emmanuela, bonsoir Lovely, bonsoir Ismaël, bonsoir Jameson, bonsoir Kens Fortuny. Bonsoir à toutes les amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé-Guinée. Encore une fois, il y a une équipe qui est vraiment motivée pour capable de faire nos vies, vous-même qui la caillou, qui genre. Mais là, actuellement, là, nous. We'll be right back.
Bonsoir Emmanuela, la salue Kenz Vanessa. Jameson, nous allons saluer tout le monde qui est surtout qui va parce que nous déjà en direct depuis le chef mars pour nous capables parce que tout pays vivre vraiment le carnaval 2018. Nous connaissons le carnaval ça, c'est thème aussi Haïti sur le changement. Et nous capables dire ça fait environ une heure de temps depuis que le défilé lui-même a commencé. Vraiment, nous sommes capables de dire, nous ne pouvons pas faire critique au courant, même si nous avons un peu d'embouteillage, mais après tout, pour nous voir petit à petit comment l'évolution lui-même lui a pris la pied. Et pendant le premier jour, carnaval, l'homme est fort, nous avons déjà gagné School Ben, qui est un bon pied, qui a déjà passé le parcours. Exactement, School Ben qui est passé, pendant que le défilé artistique lui-même, il est vraiment fin passé. Parce que nous pouvons voir, eh ben, imagine que n'a pas tant de eux. C'est vrai que je veux dire, c'est le premier jour, mais jusqu'à présent, School Ben est passé, mais défilé anticyclone lui-même, il n'est pas qu'on finit passé. Nous saluons Jameson Lemorin. Bonsoir Jameson. Bonsoir Manuela, bonsoir Israël, Chessie Antoine, bonsoir Vanessa Kader, bonsoir Lovely, bonsoir Ken Sportulé. Je suis présent pour présenter la CAE, tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Télé-Guinée. Encore une fois, je viens d'annoncer inattendu un carnaval là, notamment dimanche gras, 11 jusqu'à février 2018. C'est une plus grande culture de la PIA et je viens d'annoncer le carnaval de stade à 3 heures. Voilà que pour l'instant, environ 4 heures dans 5 heures, on commence à recevoir quelques bains à pied. Donc pour l'instant, on a dit que le carnaval là, jusqu'à présent, il y a un bon enfant, il y a peut-être une animation musicale, des filles que qu'on obtient. Et on va suivre comment ça va dérouler pour la première journée, malgré que nous avons parlé de ces gens menaçants. Mais donc on a souhaité que tout le monde qui est là, qui a descendu sur le champ de masse là, parce que c'est nous qui peut le faire, activité à puis l'artiste là, il y a branché à tout le Guinée, puis regarder comment ça se sont sur le champ de masse là, pour venir créer animation, pour venir créer feedback positif là. Déjà, on, tout le monde en général, joueur du carnaval, il y a tout le Guinée qui l'a motivé pour le carnaval là. Nous là, et jusqu'à 2h30 du matin, parce que 5 ans plus, Napton Jazz, Napton Manapio, Napton Défilé Artistique, il y a tout le Guinée dans la bataille, encore une fois, nous décrétons permanence dans les affaires carnaval. Merci Jameson. Rapidement, nous parlons vraiment eh ben, bail point d'urgence côté que la population, si il y a un monde qui est victime, pour être capable de transporter moun sa rapidement aller dans les soins d'urgence. Rapidement, Emmanuel, nous battons les gens qui sont victimes dans le carnaval, dans le sens de victime, mais nous connaissons des gens qui certainement asthmatiques, des gens qui ne sont pas capables de faire. Mais parce que c'est une façon pour nous faire, pour nous capables de faire en sorte que nous gérer les gens, permettre à ce que nous-mêmes, nous certainement capables de venir dans le carnaval, participer, mais pas aller côté. Qui est capable de violence, ça peut empêcher que nous-mêmes tout, nous baillons pour un côté que capable de prendre soin si on a nécessité pour ça. Exactement, nous-mêmes n'avons juste fait travail nous, parce que nous connaissons que depuis que nous sommes foule, c'est normal, il y a des gens qui sont capables peut-être pas qu'à supporter la chaleur. Là. Mm-hmm. Donc c'est sûr que capable de petit problème. Donc ça fait un bail point d'urgence. Rapidement, nous avons dit poste 1, dans le stade Silvio 14, là, nous avons joué un centre d'urgence. Et poste 2 et poste Léogan. Oui, poste 3, nous avons joué dans l'angle rue des Casernes, boulevard Jean-Jacques Dessalines. Poste 4, angle rue des Casernes et rue de l'Enterrement. Poste 5, angle rue des Casernes et puis Monseigneur Guillou. On a continué pour nous dire poste 6, non Mupana, Mupana qui pire nous là, et presque en face, Sting Radio Télé-Guinéen. Poste 7, angle rue Capois et rue Cécile. Poste 8, Rex Théâtre, puis Wonouan, donc c'est là que gagne un point d'urgence. Poste 9, Coin Ethnologie, Faculté d'Ethnologie. Bien sûr, poste 10, de Faculté de Médecine UEH. Poste 11, Kiosque Oxygenti. Poste 12, Stand Ofatma. Poste 13, Stand Mairie de Port-au-Prince. Poste 14, Place Pétion. Poste 15, HUEH. Poste 16, encore Portail Léogan. Poste 17, Poste Marchand. Eh ben, poste 18, boulevard Harry Truman, coin Théâtre National. Nous bien préciser, boulevard Harry Truman, coin Théâtre National. Poste 19, Carrefour Aéroport. Eh ben, pour nous finir, c'est 20 postes qui sont disponibles à ce que la population est capable de rendre pour si on est victime, nous dit pour si on est en qualité victime. Dernier poste, là, c'est poste 20 qui c'est avenue Martin Luther King. Eh ben, bon, c'est là que
poste ça yo disponible ou bien nous avons soins d'urgence ça yo yo disponible à ce que au moins s'il ta victime pour nous capable transporter li rapidement là. A souligner Emmanuela et gros l'autre poste qui trouvé c'est côté première dame non angle rue avenue du Conse et au Capoa. Si toutefois un petit monde a perdu, menez-le là dans le poste. Après, je crois qu'il y a Bali à bien-être social. Après 24 heures, il y a Bali à bien-être social. Nous sommes capables de faire réclamation dans le bien-être social. Nous avons lancé un message à les gens qui ont déplacé avec Timoun. Vous venez avec Timoun, c'est Kembel. Vous venez, d'ailleurs, quand vous venez, c'est Foul qui l'a. Donc, vous avez un Timoun ensemble avec vous, c'est Marel bon côté pour ne pas capable pas perdre. Parce que ça t'arrive que Timoun doit perdre et puis il est blessé normalement. Donc, nous ne pouvons pas souhaiter que ça arrive et fait. Donc, nous connaissons que nous avons fait avec. Quand même des humains, peut-être ça qui arrive pas oublier, mais si nous nous protégeons parce que nous venons, nous n'avons pas qu'à protéger tête, c'est nous-mêmes qui nous protégeons. Et puis l'autre message que nous avons lancé à tout usager, et puis il y a Fobuel ou du moins ça a jeté et boisson de la dedans. Nous avons dit ça encore, tout le monde qui vient avec arme à feu, arme blanche, nous avons dit nous désolé pour vous, c'est sûr que vous avez vraiment joué avec un petit tonton qui a vraiment eh ben, mis un petit quoi dans le poignet, tout cas, vous avez dit ça ou pas de faire, ou qu'on est principalement déjà ou pas de faire, donc c'est mettez quoi un petit côté, pas venir. Fait brigandaille dans le carnaval l'année ça, mais c'est pour nous venir distraire nous, c'est pour nous venir défouler nous, à ce que nous sommes capables de réussir au moins la première journée ça. Et nous sommes certains que toute la population a suivre tout ça qui prend le fait là, je dis là, sous chaud de masse. Et oui, Emmanuela, c'est ça, on a toujours le même consigne aussi. Il y a 7000 policiers qui déployés pour sécuriser le carnaval là, ça. En pile unité, telle que Edupol. Et puis nous avons monsieur et dame protection civile tout, qui là pour aider nous. Qui là tout. Exactement. Nous parlons de CAN, nous parlons de centre ambulancier national qui là pour faire travail là. Et puis il y a l'autre, encore l'autre unité qui fait partie du comité carnaval là, et au carnaval qui annonce les couleurs. On est capable de dire là, pas de jouer encore, c'est jouer là, c'est jouer gras, c'est dimanche gras là. Nous sommes en pile bœuf, nous en pile bœuf, en pile la Mayotte, ils prévoient tout à gagner. Et tressé ou bon. Tressé ou bon, que ça fait longtemps, que ça fait longtemps. Nek Jérémy, Libonel. Tressé ou bon. Ouais.